Est-ce que les programmes dans les écoles atteignent la diversité canadienne ou sentez-vous qu'ils sont accessibles à juste un type de personnes? Par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de diversité. Parce que les activités, il y a comme toutes sortes de races, puis comme tous mes amis, genre. Puis aussi, il y aura tout le temps les gens qui, comme, ils expliquent plus. En général, c'est vraiment une école avec beaucoup de diversité. Par exemple? Par exemple, en sport-études, il y a tout le monde qui fait les sports qui aiment. Comme, ils ont tout le droit de rentrer dans ça. Pouvez-vous me dire un mot qui décrit ton école? Le mot que j'ai choisi là pour ça, ce serait confortable. Parce que quand tu es confortable, genre, quand on est confortable, ça fait beaucoup plus un bon environnement. Puis l'école est juste plus comme positif et joyeux. Puis aussi, comme, je me sens plus confortable ici parce que quand tu rentres, comme tout le monde, ils t'invitent et comme, ils sourient, ils disent, ouais, c'est comme une école super cool. So t'aimes l'école? Ouais. Good, good. Mon nom c'est Jacinthe Design. Attends. Go. Mon nom c'est Jacinthe Design et je vais à l'école secondaire. Selon vous, est-ce que les programmes dans les écoles atteignent la diversité canadienne ou sentez-vous qu'ils sont accessibles à juste un type de personne? À l'école Uriel, on est à l'école université. Quand j'ai déménagé ici, je m'en tape parce que je n'étais pas incroyable. Je suis pas né ici, je suis un Vénézuélien. Et je pensais que les étudiants allaient partir chaleureusement. Mais non, ils m'ont accueilli chaleureusement. J'ai deux bons amis, Jacinthe Bizayon et Jessica Fortin, qui m'ont accueilli extrêmement bien. Ils m'ont fait vivre une expérience unique. Un autre exemple, c'est que je joue au soccer et quand j'étais dans les essais, il y avait. L'entraîneur a choisi des Arabes, des Noirs, des Chinois et des Blancs. C'était pas juste une race. Alors ça démontre que l'Outriel, c'est une école diversité. Donc tu te sens inclus? Yeah, je me sens vraiment inclus. Je sais comment faire de l'école. Merci. Bonjour, je m'appelle José Rodriguez. Je viens du Venezuela, j'ai 16 ans et je suis fier d'être franco-ontarien. Cool. Un mot pour décrire l'Uriel, incomparable. Je dirais que dans mon école, il y a beaucoup de ségrégation parce qu'il y a deux programmes. Il y a le programme sport-études et le programme régulier. Donc, dans certaines circonstances, on est pas mal séparés. Mais pour la plupart du temps, on est pas mal unis aussi parce qu'on a les mêmes classes, tout le monde a les mêmes classes et on interagit souvent ensemble. Je pense que la plupart du monde, je pense que presque tout le monde, à un point ou à un autre, se sent comme si il est timide quelqu'un. Natacha. Okay. Mon nom est Natacha Kitty. Non, je ne sais pas mon nom. T'es pas obligé de dire ton nom. Mon nom c'est Natacha et je vais à l'école Uriel. Attends, dis-le encore. Là, je me nomme Natacha et je vais à l'école Uriel. Je vais à Tennyson, je vais même à réunir à midi. Ok. Bonjour, je suis Annette de l'école Uriel. Ça fait à peu près 3 années que je suis ici à l'école. Et quand je suis venue ici, je ne connaissais pas vraiment beaucoup de français. Mais au cours des années, l'école m'a vraiment aidée à comme parler en français, m'intégrer avec mes amis. Dans les couloirs, on parle, on joue en français. Et c'est juste, ça m'a vraiment aidée. Puis l'Uriel, c'est vraiment une bonne école.
si t'es nouveau, nouvelle, ils vont t'accepter comme si tu parles pas en anglais, en français. Et ouais, c'est une bonne école pour l'apprentissage et le développement. Donc, c'était facile pour toi de t'intégrer dans les groupes? T'as pas eu de misère à trouver des amis? Non. Good! Non. C'est bien, c'est vraiment bien. Ouais, mes amis m'ont toutes accueilli, c'était bon. Puis, OK. Go! Oh. Sentez-vous que les élèves, les enseignants ou l'administration vous aident à vous sentir inclus dans votre école? Si oui, donnez-moi un exemple. Oui, je pense que l'administration, les professeurs et la direction m'aident à se sentir inclus dans mon école. Parce que quand je marche dans les corridors, ils sont toujours en train de promouvoir l'interaction entre les élèves. Puis ils n'aiment pas que les différentes classes ou différences de sexe se séparent dans l'école. Ils veulent que tout le monde apprenne à se tirer ensemble. Alors je pense que. OK. Just finish it. Puis, est-ce que on va dire que vous avez des problèmes, vous êtes bullié, par, intimidé par des élèves, est-ce qu'ils sont là pour vous ou ils vous laissent de côté? Si je pouvais être bullié, je pense qu'ils seraient là pour moi, mais dans une certaine sens, quand les gens sont victimes d'intimidation, ils ne veulent pas en parler. Mais je pense que les professeurs et la direction sont très vigilants et ils pourraient reconnaître si quelqu'un est victime d'intimidation et à ce moment-là, ils les aideraient à se sentir mieux dans leur environnement. Bien. Puis, est-ce que c'est facile pour vous de vous sentir inclus? Mais moi, personnellement, c'est pas facile, je pense, parce que quelques facteurs. Je crois que mon adoption, c'est un gros facteur parce que mes parents sont blancs. Moi, je suis noir, vous voyez. Alors, je trouve que durant mon enfance, puis même maintenant, c'est dur de savoir avec qui me tenir. Alors, des fois, je vois un groupe d'amis blancs, un groupe d'amis noirs, puis j'ai un peu, je sais pas où aller. Alors, pour moi, personnellement, c'est un peu dur de sentir inclus. Mais à travers les années, je trouve que ça s'est amélioré. Puis maintenant, je suis plus confortable avec ma personnalité. Et alors, ça va très bien. C'est juste ça. Je m'appelle Jacob Walker, fréquent l'école de Muriel. Et un mot pour décrire mon